Voici comment créer une annonce avec Google Classroom. Je vais dans la section Flux. Maintenant, ici, partager une information avec votre classe, c'est ici que je vais pouvoir écrire mon message. Je pourrais venir mettre une pièce jointe qui est sur mon ordinateur ou sur une clé USB, un document qui se retrouve dans mon Google Drive, une vidéo de YouTube. Donc, je peux faire la recherche directement par YouTube ou copier-coller l'URL. Même chose avec un lien web. Donc, je peux venir copier-coller un lien web d'un site Internet, par exemple. Je peux décider d'envoyer ce message à plusieurs classes en cochant les classes désirées ou à certains élèves en particulier. Ma publication peut être publiée tout de suite, peut être programmée ou peut être enregistrée en mode brouillon pour que je puisse la programmer un peu plus tard. Donc, elle vient se publier ici dans ma page d'accueil. Et si vos élèves ont mis aussi Google Classroom sur leur téléphone intelligent, ils vont pouvoir voir dans les notifications le message. Si je veux que mes élèves puissent aussi partager des informations, je vais venir dans la roue d'entrée. Et c'est ici que je vais choisir. Les élèves peuvent ajouter des commentaires ou les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Donc, ça permettra aux élèves, peut-être sur cette page-là, de poser également des questions. Donc, c'était Catherine Hull de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois.